Au Sénégal, des opposants ont décidé de manifester ce jeudi contre le projet de loi sur le parrainage. Malgré l'interdiction émise par le préfet de Dakar, plusieurs d'entre eux ont tout de même décidé de faire entendre leur voix. De nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques tels que Idrissa Seck du parti Réoumi, Malik Gakou du Grand Parti, Tierno Bokoum du mouvement Agir ou encore le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, Oumar Sarr. Nous sommes venus avec notre leader. Eh bien, notre destination, c'était l'Assemblée nationale. À hauteur de la porte, on nous arrête, on arrête le leader et puis on le met au commissariat. Qu'à présent, nous, on est au commissariat en face. Venez parler à l'agence, allez le voir. Je lui dis, mais quand est-ce qu'on le libère? Il me dit, je ne peux pas, je continue, rien dire. Un leader comme ça, mais c'est pas des quadros. Des gens respectés, respectables, respectés, qu'on arrête comme ça, et puis sans explication, c'est ce qu'on nous dit, on a reçu des conflits. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Ces interpellations ont été précédées ces dernières semaines par des arrestations, voire des condamnations d'autres personnalités politiques. La dernière en date concerne le député-maire Barthélémy Diaz, condamné à 6 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. La démocratie sénégalaise est en train d'amorcer un véritable recul. On n'a jamais connu autant de répression contre les opposants, soit les partis politiques, les syndicats ou la société civile, depuis la fin des années 90. C'est un durcissement du régime qui rappelle fort bien le régime d'Abdou Diouf et de Jean Collin, qui était un régime de répression, d'arrestation, de violence. Le parrainage oblige le citoyen, soucieux de formuler une offre politique et de concourir à la présidentielle, à présenter sa candidature avec 1% du fichier électoral général. Selon le ministre de la Justice, Ismaïla Madiourfal, il est aussi attendu du parrainage citoyen d'aider à rationaliser le nombre de candidatures.